Salut, on reprend maintenant les West Penn Red Pepper avec une cinquième vidéo sur la théorie des Windmakers, qui signifie les faiseurs d'ailes, en mot à mot. La première source est James des Windmakers. En 2008, il accepte de faire une rare interview avec Kerry Cassidy et Bill Ryan de l'ancien projet Camelot, maintenant projet Camelot Portal. L'interview peut être lui ici, donc il met l'adresse. James a fait cette interview en partie pour promouvoir son site web le plus récent, dont il met l'adresse aussi, qui est http://sauveraignyintégral.org/. Le projet Camelot a eu beaucoup d'adeptes dévoués. Il en a encore, j'espère. Fournissant beaucoup de nouvelles informations précédemment non couvertes chez Windmakers, James a également présenté quelques informations assez inquiétantes. En bref, s'il vous plaît de lire l'article, il a dit que toute la troisième dimension est un piège mis en place par le très puissant Dieu, Anu, des Anunnaki. Lui et son peuple manipulaient génétiquement des êtres de conscience inférieure déjà existants sur Terre et leur implantaient un voile d'oubli et un système corps-esprit qui garderait l'esprit emprisonné dans la troisième dimension pour toujours ou jusqu'à ce qu'Anu casse le sort. En limitant l'ADN, je suppose. Pourquoi et comment a-t-il fait cela, selon James ? Apparemment, l'Atlantide, l'ancienne civilisation mythique décrite par Platon et d'autres, existait il y a des milliers d'années et a été détruite vers 9500 ans avant Jésus-Christ, était d'abord interdimensionnelle et habitée par des esprits libres, très multidimensionnels. L'Atlantide était un endroit magnifique et très spirituel, et les âmes qui l'ont construite ici sur Terre étaient très enjouées, innocentes et, en certains termes, naïves. Donc là, ils nous mettent une petite illustration habituelle de l'Atlantis avec ses trois cercles de construction, si on peut dire. Anu, qui voulait jouer à Dieu et était un être très avide de pouvoir et intelligent, se mêlait aux Atlantes, remarqua leur esprit libre et décida de les piéger. Il créa donc des corps solides et physiques qu'il programma pour ne percevoir qu'une certaine gamme de fréquences et de sons. La gamme 3D actuelle, et donc être séparé du reste du multivers. En outre, il a créé un univers cloné avec des étoiles, des planètes, des galaxies, des nébuleuses et tout le reste, qui était aussi solide que le véritable univers à quatre espaces-temps, sauf que les êtres humains qui habitaient cet univers cloné. En d'autres termes, il a successivement créé sa propre version des corps basés sur le modèle humain, une tête, deux bras, bipède, et a ensemencé son propre univers avec ses corps. Selon James, la 3D n'existe que comme une création d'Anu. Dans l'univers réel, car l'univers réel est un multivers aux dimensions multiples qui interagissent entre eux pour permettre à ses habitants multidimensionnels d'avoir des expériences aussi riches que possible. Maintenant, Anu voulait piéger ces esprits libres de l'Atlantique dans des corps tridimensionnels pour abaisser leur fréquence et en faire ses esclaves. Comment pourrait-il faire ça? Pourquoi les esprits libres envisageaient-ils même d'entrer dans des corps solides avec de si grandes limitations? Pour Anu, la réponse était facile. Il a simplement programmé les corps avec des images et des films en 3D. Il a créé quelque chose de plus facilement décrit comme un CD tournant dans une boucle constante, montrant des images attrayantes et des réalités qui intéresseraient un esprit curieux et naïf. Et en plus, c'est un gros menteur. Ensuite, il a choisi quelques âmes et les a invitées à tester ses corps. Ses cobayes étaient probablement réticents au début. C'est moi qui ai dit que c'était en plus un gros menteur. Fin de l'encart. Mais en même temps, curieux, et Anu était apparemment assez désinvolte et convaincant et a réussi à faire essayer quelques esprits au corps. Encart. Oui, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre à la fin. C'était un gros menteur, lui et tous ses potes. Fin de l'encart. En raison de l'expérience fascinante, les sujets du test ont dit au reste que c'était très amusant et intéressant.
et la plupart des esprits restants sont également entrés dans des corps. À ce moment-là, Anu a fermé le piège. Depuis lors, nous avons été pris au piège de la 3D, regardant un univers qui est un clone du réel, éparpillé de la vie. Et seulement, en ce moment, c'est avec quelques biokinds qu'Anu a créé. Parce que dès qu'il a eu fini avec la Terre, il est allé ailleurs et a piégé d'autres êtres dans d'autres parties de l'univers et les a fait entrer dans son corps aussi. Encore. Oui, je crois qu'il y a au moins 14 autres civilisations galactiques, plus ou moins locales, ça j'en sais rien, qui sont... c'est Kalo Girogriphasi qui a fait sortir cette liste de 14 espèces. Il y en a qui nous ressemblent beaucoup, il y en a qui sont un peu moins futés que nous. Mais bon, tout le monde est dans le même état, donc au niveau de la fufute, il n'y a pas de compète là. Fin de l'encart. Anu savait aussi que pour être capable de garder ses esprits piégés, il devait créer un espace-temps où les esprits pouvaient aller après que leur corps périsse. Alors il l'a fait. Il a créé un environnement temporel et spatial complet d'hologrammes, de stations implantaires, d'implantation, de guides spirituels, de paysages et de tout ce que nous pouvons imaginer. Ici, l'esprit pouvait se reposer pendant un moment avant que ses souvenirs du monde des esprits ne soient effacés. Puis, les corps ont été de nouveau rabattus, à nouveau dans un corps en 3D. Réincarcérés, comme on dit aujourd'hui. Et non pas réincarnés, comme mon oncle d'Amérique. De cette manière, le cycle de réincarnation s'est poursuivi pendant des dizaines de milliers d'années. De plus, tout l'univers cloné existe comme une boucle temporelle. Donc, après un certain temps, il se relance encore et encore comme le ferait un CD, si vous le mettez en mode répétition. Selon James, la fin d'une telle boucle arrive bientôt, au cours des 3 prochaines générations. C'est pourquoi il est important pour l'humanité de trouver ce qu'il appelle le grand portail, qui est une allégorie d'être conscient dans son ensemble que nous sommes des êtres spirituels et que nous pouvons prouver scientifiquement que c'est le cas. Quand la science et la religion se rencontrent, nous pouvons rompre le sortilège et ainsi aussi les murs de la 3e dimension. Nous serions encore des esprits libres et une partie de la richesse du multivers. De plus, James dit qu'Anu n'est plus là. Et que Nibiru, qui est la planète des Anunnaki, n'est plus une menace. Le monde des esprits est apparemment devenu un processus automatique et n'a pas besoin de l'attention d'Anu. Encore. Oui, mais Nibiru pourrait être un vaisseau spatial. Donc, en fait, c'est jamais une menace pas en soi-même. Bon, mis à part les petits dégâts collatéraux, pole shift, tsunami, tremblement de terre, enfin, toute la perturbation électromagnétique du climat, qui est sur une base électromagnétique et voire solaire, d'origine solaire. Mais bon, déjà, le Soleil fait ça en fractal. Hein. Lui-même prend une énergie électromagnétique d'ailleurs. Et la galaxie elle-même le prend des courants de Birkeland qui se baladent dans l'éther, dans le vide. Donc, l'électricité, pour se propager dans le vide, nécessite un support. Merci. Donc, je reprends. Les prophéties parlent du ou des dieux revenant à la fin des temps, qui est censé être maintenant. C'était même... Et ces prophéties parlent essentiellement du même ou des mêmes dieux, qui est Anu et les Anunnaki. Cependant, les plans ont été changés, comme James l'a dit, et Anu ne reviendra pas. C'est apparemment la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du jour. Et nous sommes laissés à nous-mêmes pour trouver comment sortir du piège. C'est là que James et son ordre d'enseignement Lyricus entrent en scène pour nous aider à trouver le grand portail. Encore. Donc le grand portail, c'est nous en fait. C'est nous, notre être multidimensionnel réalisé et accessible à volonté, je suppose, quelque part aussi. Et Lyricus, c'est la suite du site Wingmakers. Il y a une partie qui s'appelle Lyricus, où on développe tout ce qu'ils ont trouvé dans le canyon du Colorado, dans cet enchaînement de grottes, de 23 grottes, chacune comportant des artefacts, notamment artistiques, mais aussi technologiques, semblerait-il, récupérés par le Smithsonian Institute, et la CIO, qui est un truc qui est encore plus secret que le NRO, normalement. Voilà, j'en suis. Eh bien, voilà, donc Lyricus, où il y avait sons et images
dont on pouvait se prélasser les yeux et les oreilles, sauf que il est probable que ceci ait été infecté de façon à détourner le flot des amateurs. Il faut savoir que le site Wingmakers a changé depuis sa première création, jusqu'au moment où en fait James est apparu comme tenant ce site. Et il a fait des changements. Il paraît, mais on y reviendra plus tard, Westpedre a étudié plus ou moins ça, il n'y avait pas que lui, qui a des choses en plus mieux et des choses en moins aussi. Bon, alors, il faudra aller voir. On verra ça plus tard. 4.2, la matrice de la Lune. David Icke est un autre chercheur qui est parvenu à une conclusion quelque peu similaire à celle de James. Seuls les détails diffèrent. Ah, bah oui. Donc là, normalement, il y a l'Anunnaki tel que représenté par les Sumériens. C'est-à-dire avec ses casques à multicornes, là, j'ai l'impression. Lui aussi est convaincu que nous avons commencé comme des esprits libres et que nous sommes restés pris au piège ici en 3D. On parle de David Icke. Ses recherches se penchent également sur le passé Anunnaki et la présence actuelle sur Terre, le génie génétique et les piégeages par l'altération de l'ADN à ARN. Cependant, alors que James et d'autres qui ont eu de vraies rencontres avec les Anunnaki, j'ai été en contact avec ces Anunnaki, ces contactés. Ben, il semblerait que peut-être David Icke ne l'a pas été. Non, lui, il a fait une illumination personnelle énergétique, je ne sais pas, Merkaba, montée de Kundalini, quelque chose comme ça. Il y a longtemps, hein. À l'époque, il se promenait encore en bleu. C'était même un peu avant. La théorie principale d'Icke est ici extrêmement simplifiée. Et que l'élite globale, travaillant dans les coulisses pour contrôler notre réalité et nous garder prise au piège ici, est possédée par ou prise en charge par les E.T. reptiliens appelés les Anunnaki. Les reptiliens sont de la quatrième densité ou dimension inférieure, le bas astral on dit aussi, et ne peuvent pas rester confortablement longtemps dans notre réalité sans boire de sang humain. Et d'autant plus si l'humain ayant souffert, ce sang est imprégné d'hormones particulièrement délicieuses à leur goût. Et pas qu'à leur goût, d'ailleurs, l'adénochrome fait l'objet d'un trafic auquel Podesta Clinton ont notamment contribué, je crois. Donc, je reprends, le sang les maintient à la terre pendant un moment par la vibration. D'où les rituels de sang satanique et les magies noires qui se déroulent dans le monde entier dans les cercles d'élite. Les élites globales croient qu'elles sont d'une lignée pure remontant à la vieille Babylone, à Sumer et même à plus loin. Une lignée directe vers les entités de quatrième densité reptilienne qui s'entrelacent avec les humains génétiquement. En gardant leur lignée aussi pure que possible grâce à la consanguinité, ils sont capables de fonctionner comme hôtes pour ces reptiliens de plus haute densité. En échange de faire leur sale boulot, ils peuvent vivre une vie d'abondance et obtenir plus ou moins ce qu'ils veulent quand ils le veulent, quand il s'agit de choses matérielles et de certains pouvoirs spirituels. Le but des reptiliens est de conquérir complètement la Terre en tant que race conquérante. Le but des reptiliens en tant que race conquérante est de conquérir complètement la Terre et tout le reste, hein, la galaxie. Enfin, continuez. D'après ce que dit William Tompkins et d'autres. A priori, s'ils sont arrivés ici, c'est en poursuivant des gens qu'ils avaient déjà chassés de leur propre planète. Depuis peut-être Procyon. C'est-à-dire, c'est l'époque de la lyre. Oh là là, c'est des éons, il y a des éons de ça. Enfin, vous vous rappelez bien. La lyre, ouais. Cet instrument merveilleux qui va me permettre de vous entonner une petite ode à l'occasion du banquet. Bon, on arrête de déconner. On reprend. Où en suis-je ? Eh oui. Par conséquent, ils sont lentement mais sûrement, plus rapidement même maintenant d'ailleurs, en train de construire un nouvel ordre mondial pour s'établir comme des dieux dans une société esclavagiste humaine où nous serions tous implantés avec des micropuces dès la naissance et nos pensées seront manipulées par ELF, des ondes d'extrêmement basse fréquence.
afin que nous ne puissions plus penser par nous-mêmes. Toutes nos pensées seront contrôlées et nous penserons qu'elles sont les nôtres. En d'autres termes, nous nous dirigeons vers une société qui ferait 1984 de George Orwell ressemble à un voyage de vacances en Grèce. En Grèce. C'est joindre l'utile à l'agréable ou bien? Non, mais pas à l'agréable. Le redoutable. Bon. Je reprends. Nous devenons les esclaves ultimes. Et ces êtres sont très proches de l'accomplissement de leur but. Je m'excuse de rire de choses aussi horribles. C'est nerveux. Cependant, en réveillant les masses via Internet, des livres, des conférences et du travail spirituel qui augmentent nos fréquences, nous pouvons affecter positivement d'autres personnes autour de nous et, espérons-le, tôt ou tard, augmenter la fréquence d'un nombre suffisant de personnes, l'ordre du jour qui se poursuit depuis des milliers d'années. On sera donc gêné, puisque l'ordre du jour, c'est de nous diminuer. Dans la plupart de ses livres ultérieurs, Icke, David Icke, nous parle de ce que nous sommes coincés dans une boucle de temps. Il a en fait écrit un livre entier à ce sujet. Histoire de la boucle temporelle, ou Tale from the Time Loop, en 2003. Il développe également dans son dernier livre, La racine humaine, lève-toi. Le lion ne dort plus, en 2010. Déjà ? Où il fait un bon travail en comparant sa théorie de la boucle temporelle avec celle du fonctionnement d'un DVD. Oui, bon, ben, on a déjà lu ça. En boucle, quoi. Hein. Nous en sommes en fait tous des acteurs dans ce film, qui est assez prédestiné. Mais nous pouvons interagir dans une certaine mesure et changer les choses dans le film si nous en sommes assez spirituellement conscients pour pouvoir le faire. Sinon, nous courons sur un script, un programme sur lequel nous avons très peu de contrôle. Le temps en 3D est comme ce film. Vous pouvez avancer ou reculer rapidement le DVD à un certain point dans l'intrigue et commencer à regarder à partir de là. Ainsi, vous avez un passé, un présent et un futur. Cependant, la plupart des gens ne savent pas qu'ils jouent un script. Les initiateurs de ce film sont les reptiliens qui peuvent regarder l'intrigue en 3D de l'extérieur, en quart et se nourrir de louches en 4D. Je reprends. Selon Icke, nous vivons donc dans un hologramme géant, dans un film qui recommence une fois qu'il a fini. Et nous approchons de la fin du film maintenant. C'est aussi comment la prophétie fonctionne. Les entités extérieures au DVD, enfin au CD, la boucle du temps, entrent dans le film et nous donnent des prédictions sur les événements futurs qui sont les plus susceptibles de se réaliser car ils sont écrits dans l'intrigue. Je précise DVD-CD parce que le DVD, c'est aussi un service de renseignement allemand qui est très profondément intriqué dans l'actualité politique depuis des décennies. À un point inimaginable. Hein, vous ne pouvez pas imaginer. Hein. C'est-à-dire que je pense que c'est une branche des services secrets de la BIS, la Bank of International Settlement, qui est une banque qui est au-dessus des lois, hein, qui a son propre service d'ordre, ses propres services de renseignement, ses propres polices, ses propres lois et ses propres citoyens, et nous n'en sommes pas. Nous sommes du bétail, des objets. Pour eux. Je reprends. Alors, comment les reptiliens font-ils cela? Eh bien, toujours selon David Icke et les recherches qu'il a faites, tout est contrôlé par la lune artificielle. C'est là qu'est leur salle de contrôle, d'où ils dirigent leur technologie holographique vers la Terre et nous gardent pris au piège. La Lune, cependant, n'est qu'une station relais et la véritable programmation semble venir de la planète Saturne, selon Icke et ses dernières découvertes. C'est la version extrêmement courte de la recherche d'Icke que je vous recommande de lire ses livres pour avoir une vue d'ensemble plus complète parce que je ne lui ai pas rendu justice ici. Bien que je n'ai pas vraiment vu Icke le mentionner, il est facile de développer sa théorie, la matrice lunaire,
Si nous voulons la prendre à cœur et si nous sommes curieux de savoir ce qui se passe après notre mort, si Hayek est correct, ce n'est pas exagéré d'imaginer que le monde des esprits et l'espace-temps où nous allons entre les vies est un autre DVD qui joue encore et encore. Alors, je rappelle là que j'ai fait quelques vidéos absolument très difficiles à l'écoute et au suivi. Qui s'appelle « Livre de profondeur », qui est la version slave, russe au sens RUS, de notre cosmologie, de ce passage-là, de l'arrivée de la Lune comme vaisseau spatial et station de contrôle. Bien, je reprends. 4.3. L. Ron Hubbard et les stations d'implants d'après-vie. Hubbard est le fondateur de la Dianétique et de la Scientologie et était probablement le premier à sortir des informations sur les stations d'implantation entre les vies et l'effacement de la mémoire. À bien des égards, il a été un pionnier, et a révélé des choses qui, pour beaucoup, semblaient ridicules à l'époque. Mais plus tard, il a été trouvé que ça tenait l'eau. Ça tient debout, ce qu'il racontait. Et certains de ce que nous percevons maintenant comme la vérité provenaient de lui. Certaines choses provenaient de lui. Cela dit, je tiens également à souligner qu'il n'y a certainement pas toujours eu raison et certaines de ces choses semblent très démodées et invalides aujourd'hui. Mais comme avec la plupart des chercheurs, même ceux qui se sont avérés être des agents de désinformation, il y a toujours de bonnes informations à découvrir dans le tas. J'essaye de ne jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut savoir aussi que la Dianétique a été infiltrée par la CIA à un certain moment, vu les capacités incroyables de contrôle mental que la connaissance de cette technologie spirituelle permet. Il n'y a qu'à voir l'état des gars aujourd'hui. Je reprends. Hubbard a parlé à plusieurs reprises de la zone entre-vie, mais cet extrait de son livre « Une histoire de l'homme » en 1952 a initialement été publié sous le titre « Qu'entendre ?»« What to hold it ?» Oui, « Qu'entendre ?» dans le sens d'une audition résume assez bien la version de Hubbard. Une audition, j'entends une audition publique, hein, pas l'oreille. Bien sûr, peu de gens connaissent la nomenclature de la scientologie, alors voici quelques définitions qui pourraient aider le lecteur à comprendre la situation suivante. Ben voilà. Pré-clear, c'est une personne qui est sous traitement scientologique, travaillant lui-même jusqu'à l'état de clair, qui est à un certain niveau quand la personne est libérée de son esprit réactif, qui normalement dirige nos vies. Un clair est une personne qui, après certains niveaux de formation et d'audition, peut prendre des décisions plus rationnelles sans être affectée par ses réactions passées à des situations données. Il écrit clair, C-L-A-I-R. L'audit, lorsqu'un pré-clair est en session, normalement avec un auditeur, celui qui écoute, et passe par certaines procédures prédéfinies qui finiront par rendre le pré-clair clair. Sauf dans certaines procédures de dianétique, un I-mètre, un électromètre, est utilisé pour détecter les réactions à certaines questions posées par l'auditeur. Cela fonctionne comme un détecteur de mensonges. Oui, il faut savoir que les questions qu'il vous pose sont profondément dérangeantes parfois, et donc de manière naturelle, on ne va pas donner à des inconnus ces données personnelles, intimes, et en quart personnel, je subodore que c'est là un réflexe d'une extrême sainteté qui évite par la suite que cette société scientologique se serve de tout ce que vous lui avez raconté sous le sceau de la vérité, quasiment la vérité vérifiée, pour vous faire chanter, simplement et purement, à mon avis. Hein. Il n'y a qu'à voir, dès qu'on s'attaque à eux, ce qu'on prend sur la gueule en général. Donc, c'est diabolique.
C'est malsain et diabolique. La part réaction, c'est disproportionné, d'une part. Et d'autre part, on n'a plus le droit de critiquer. Où on en est là? On en est où là? Il se prend pour qui l'autre? Parce qu'il a du blé? Parce qu'il maîtrise sa tête? Parce qu'il a des pouvoirs? Mais il n'a rien inventé. Et celui qui a inventé, il s'est fait casser. Il a fini aussi avec des histoires de pédophilie, etc. Mais alors, était-ce vrai? Je suis Baudor, puisqu'ils étaient très liés avec JPS, là, Jack Parson. Et Crowley aussi par la suite. Enfin, en tout cas, le Golden Dawn, me semble-t-il, et OTO. Enfin, tout ça, tout est très lié à ces niveaux aussi. Donc, cet électromètre, là, on reprend, fonctionne comme un détecteur de mensonges, oui. La restimulation. Lorsqu'un événement passé, souvent traumatisant ou négatif, est déclenché chez une personne et qu'il ou elle réagit à quelque chose qui se passe dans le présent comme s'il s'agissait du même incident dans le passé, en effet, l'effet des événements antérieurs est aujourd'hui, se répercute encore aujourd'hui, et nous ne sommes pas souvent au courant que c'est le cas. Le MEST, M-E-S-T, en majuscule, M, après, E, énergie, S, space, T, time. C'est le terme de scientologie pour l'univers physique. M, donc, c'est pas après, c'est autre chose. Ensuite, il y a les tétans. Ou un être theta. C'est un terme de scientologie pour le complexe âme-esprit. La banque, c'est un terme de banque de mémoire, ou plus précisément le contexte de l'esprit réactif, qui est l'esprit qui est abordé en Dianétique, l'esprit contenant des souvenirs cachés d'incidents traumatiques dans le passé. Lorsque l'esprit réactif est effacé, le pré-clair devient clair. Les clés pour entrer. Un moment de traumatisme issu de l'esprit réactif se résume et la personne éprouve des émotions négatives, parfois de la douleur, ou toute réaction émotionnelle contenue dans cette banque de données liée à un incident et engrangée. L'overact, c'est un acte destructeur envers soi-même ou les autres, incluant aussi des choses matérielles, les animaux, les plantes, l'univers physique ou l'âme de soi ou des autres. Le track ou le time track, ça veut dire... le traquage, je ne sais pas. C'est le temps linéaire du GE, l'entité génétique, qui est le corps. Ah, oui, d'accord. C'est l'horloge biologique, le temps biologique, la mémoire biologique. Le temps linéaire du corps. Exécuter, ça signifie traiter ou auditionner. Between life, entre les vies. À la mort, l'être theta quitte le corps et va à l'espace d'entre les vies. De là, il reçoit un plan d'oubli et est ensuite rabattu sur un corps juste avant sa naissance. Au moins, c'est ainsi que fonctionnait le vieil envahisseur dans la région de la Terre. L'implant est très intéressant. Le pré-clair est assis devant une roue qui contient des nombres d'images. Quand la roue tourne, ses images s'éloignent de lui. Il est écarté à gauche, à droite, en arrière. Un arrangement de miroir le montre toujours assis là, devant les images. Un écran de force le frappe à travers les images. Les images s'assombrissent. Tout l'effet de lui donner l'impression qu'il n'a pas de vie passée, qu'il n'est plus lui-même la même identité, que sa mémoire a été effacée. L'écran de force aplatit sa propre vitalité, invalidant ainsi son existence, installant ainsi, par la force seule, un oubli. Les images, en passant, sont simplement des vues généralisées, des images de l'eau vacant, des maisons, des arrière-cours, d'une période récente sur la Terre, et elles pourraient s'appliquer à n'importe qui. Ils ne sont pas les facsimilés du pré-clair. L'incident contient une telle force que le pré-clair, d'abord assez étroitement en contact, le
le parcours volontiers. Comme la force réduit son identité passée, il commence à ne pas croire à l'incident, puis à lui-même. Si on le laisse dans la restimulation, il a du mal à se souvenir des choses pendant quelques jours. Oui, je me rappelle un lavage de cerveau, ça, non ? Progressivement, à travers une vie, c'est un incident entre les vies clés. Oui. Progressivement, à travers une vie, cet incident entre les vies clés. Bon. Au début, il engloutit l'enfance, puis les années plus tard, et plus tard, et plus tard. Enfin, avec l'âge, le préclair commence à le parcourir automatiquement et à entrer dans une seconde enfance. C'est-à-dire qu'il anticipe un plan à venir, le conçoit, avoir fait s'il vit au-delà de sa vie normale. S'il arrivait qu'il mourût à 60 ans, s'il vivait maintenant jusqu'à 70 ans, il aura l'impression au cours des 10 dernières années que ça lui a été fait, un effet de restimulation de routine. Les préclairs ne sont pas toujours signalés. Avoir été implanté une fois, c'est obtenir une restimulation à la mort qui effacera la vie passée. Certains préclairs en ont un, certains en ont cinq, d'autres encore de ces implants. En cas... là, évidemment, c'est très mal traduit. Donc, je pense qu'il faudrait que je me reporte sur la version originale, à condition que j'y comprenne mieux. Ce qui est possible. Hein. Et quand même. Et en fait, bon, le but de la vidéo, c'est pas de vous initier à la scientologie. Donc, je vais faire le feignant. Hein. On va l'ignorer. Mais on a à peu près compris, quoi. Il y a une histoire d'implant, il y a des gens qui en ont eu plusieurs, il y a des gens qui n'en ont pas, et le fait de savoir qu'on a un implant et de prévoir ses réactions, enfin, nous permet de réagir de manière plus naturelle. Peut-être. Je reprends. L'oubli de la vie à la vie découlerait naturellement du fait que le préclair s'identifie et est identifié par les autres comme un corps MEST. De plus, il identifie tout le monde comme un cœur, un corps MEST. Aussi, il préférerait commencer, s'il doit être un corps MEST, avec une ardoise propre et un nouveau corps. Il a aussi beaucoup d'actes évidents pour convaincre les autres qu'ils doivent oublier tout leur passé, car il peut les former pour avoir un avenir meilleur. Aucun implant ne réussirait à moins qu'il y ait une cause naturelle et une raison pour que l'implant grossisse. La zone de rapport pour la plupart a été Mars. Certaines femmes se rapportent à des stations situées ailleurs dans le système solaire. Il y a des incidents occasionnels au sujet des stations de rapport de la Terre. Les stations de rapport sont protégées par des écrans. La dernière station de reportage martienne sur la Terre a été établie dans les Pyrénées. C'est vrai qu'il y a une base E.T. dans les Pyrénées, au Mont Perdido, je crois. Enfin, aux alentours. Mais est-ce la même ? Les entités ont des incidents entre les vies indépendantes du tétan. Ce ne sont pas nécessaires pour fonctionner. Il y a beaucoup de types de vies entre les vies, plutôt sur la piste. Environ 10 périodes différentes de la piste entière étaient consacrées à une pratique de garder un tétan dans un corps, travaillant et dans une région. Ceux-ci apparaissent en tant que second facsimilé et ne sont pas nécessaires, et ce sont des données. Ils ne sont pas nécessaires pour fonctionner. Mais les données sont là dans la banque secondaire et ce sont des données très merveilleuses sur la façon de maintenir les races asservies. Très pratique. Ce qui est intéressant avec la citation ci-dessus est qu'elle a été écrite en 1952. Ah, mais on est dans l'époque aussi. Du meilleur des mondes. Me semble-t-il. Non, ah, je ne sais plus. Je sais que 1984, Big Brother a été écrit avant 1984, puisqu'en 1984, il y avait déjà une quarantaine de points politiques d'oppression qui avaient été réalisés dans notre monde. Donc, soit Aldous Huxley et George Orwell étaient des médiums incroyables,
soit ils nous ont carrément fait une programmation mentale prédictive, soit c'était des whistleblowers. Mais bon, allez savoir. Bien, je vous remercie d'avoir suivi ce petit bout de vidéo. On reprendra plus tard avec Robert Morning Sky et les Terra Papers, les cahiers de la Terre. Bonne journée, à bientôt, salut.